on se retrouve pour une vidéo que j'avais fait il y a pas mal de temps, donc vu qu'il fait assez froid cette année, je me suis dit pourquoi pas vous la refaire. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment moi je fais pour que mes loulous se sentent bien l'hiver à la maison. Si vous avez d'autres astuces ou petits conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour partager avec les autres personnes. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors on va commencer avec mes lapins. Tout d'abord, encore plus en hiver, je leur mets des plaids assez épais, j'en mets deux dans leur enclos et j'aime beaucoup ces plaids là parce qu'ils sont assez épais et doux, ils viennent de chez Action. Je vous les avais déjà montrés dans des hauls, donc je leur mets des plaids parce que les sols voilà ils sont durs et je veux pas qu'ils s'abîment les pattes et aussi tout simplement parce qu'il fait froid et comme ça, ça leur fait des dodos moelleux et confortables et croyez-moi, ils adorent. Ensuite, je rajoute des plaids plus fins, soit sur les gros plaids, soit par terre et aussi dans leur petite cabane au fond de l'enclos. Et comme vous pouvez le voir, Noisette, toujours aussi curieuse. Du coup, j'en ai pas mal dans la caisse car je les change assez souvent, que ce soit pour les chichis, les lapins et même Maé. Il y a des grands plaids fins, il y a des moyens, il y a des petits qui viennent pareil de chez Axon. Mais voilà, je préfère leur mettre des plaids car l'hiver, le sol est vraiment très très froid. Et vu qu'ils se baladent beaucoup dans la pièce, c'est quand même plus agréable d'avoir au moins quelques plaids au sol. On passe au chinchilla. D'ailleurs pour le meuble de rangement, j'attends encore un peu avant de vous faire la vidéo parce que le meuble va changer. Donc premièrement pour les chichis, et ça change pas de toute l'année, je leur mets des hamacs parce qu'ils aiment bien dormir dedans et ça remplit la cage aussi, ça évite qu'ils tombent et qu'ils se fassent mal. Bon, je vous avoue aussi que voilà, ils adorent grignoter les hamacs. Ensuite, comme pour les lapins, des petits plaids pour se réchauffer. J'en mets souvent dans leur hamac, sur les plateformes, pas toutes mais quelques-unes, et un en dessous dans leur cabane en bois qu'ils aiment tant ronger. Depuis qu'ils ont leur cabane, ils dorment tout le temps dedans, donc voilà, je préfère leur mettre un plaid comme ça. Ils sont pas sur un sol assez froid, donc là ils sont sur un sol mou, doux et pas froid, et du coup ils aiment beaucoup. D'ailleurs, quand je referai une commande, je pense que je vais leur reprendre une deuxième cabane. Les chichis, ça ne les réchauffe pas, mais l'hiver je préfère mettre de la litière en plus, donc j'en mets un peu plus que d'habitude. Les lapins généralement je ne change pas parce que voilà, les pelés de bois c'est toujours plus épais, donc là c'est vraiment pour que ça soit un peu plus confortable et pour qu'ils sentent moins le froid au sol, même s'ils ne sont pas directement au sol. Ensuite, je ne l'ai pas encore utilisé, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une bouillotte pour vos loulous. Bien sûr, il faut bien les surveiller afin qu'ils ne rongent pas la bouillotte. Après, vous n'êtes pas obligé de la remplir entièrement. Celle-ci, je crois que je l'ai achetée sur eBay, je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est trop belle et elle est pas chère, donc celle-là, c'est pas pour les loulous. C'est pour moi parfois quand j'ai mal au ventre ou pour me réchauffer le soir. Mais il fallait que je vous la montre et ça peut réchauffer vos loulous. On la remplit, bien sûr, on enlève la housse et ensuite vous la mettez au micro-ondes. Personnellement, je trouve que ça chauffe pas assez. Donc la deuxième option, c'est de faire chauffer de l'eau dans une casserole et ensuite la mettre dans la bouillotte. Par contre, si vous êtes assez jeune, demandez à un adulte parce que vous risquerez de vous brûler. Et ce qui est bien avec la bouillotte, c'est que ça tient chaud plusieurs heures. Donc je pense que je testerai ça avec les loulous pour voir s'ils adhèrent ou pas. Et j'en recommanderai une s'ils aiment.
Et enfin, la dernière chose, c'est de chauffer la maison. Comme vous pouvez le voir, le matin, il ne fait pas très chaud. La température redescend la nuit vu qu'on chauffe au bois. Forcément, la nuit, on se relève pas pour mettre du bois. Donc, ça chauffe une partie de la journée plus la nuit. Mais après, il faut en refaire le lendemain matin. Nous, on chauffe au bois parce que voilà, c'est comme ça. C'est la maison qui veut ça. Mais c'est sûr qu'avec un thermostat, c'est beaucoup plus facile. Enfin, dans tous les cas, c'est que ça chauffe bien la maison. Et bien sûr, pour finir, ma petite Maë, c'est extrêmement simple. Elle a son carton, son plaid et du chauffage à la maison. C'est ce qui la rend heureuse. Elle peut dormir comme ça toute la journée, faire des siestes. Donc elle sort juste dehors pour faire ses petits besoins, mais elle rentre très très vite vu qu'il fait assez froid. Elle est pas trop chou, ma petite Maë. Voilà tout le monde, je vous ai montré comment mes loulous passent l'hiver à la maison. Je vous mets plusieurs choses en barre d'infos, par exemple les choses à ne pas faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous fais des gros bisous. Bye !